deux petites secondes, faut que je retranche quelque chose. Ouais, bon, au pire. Bon. Alors, moi, c'est plutôt un témoignage. Je me présente plutôt à Dieu, étant donné que, bah, que de base, j'ai grandi sans lui. Ouais, ok. C'est bon, on est bien là. Alors, quand j'étais petit, bah, comme tous les enfants, j'étais un bon petit. Mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, mais j'étais trop gâté en fait. Et au final, j'oubliais d'être reconnaissant de ce que j'avais. En grandissant, je ne croyais pas en la spiritualité. Je n'aimais pas trop les autres. J'agissais selon mes principes qui étaient en partie égoïstes. À l'école, je ne cherchais pas à me faire d'amis. Pour moi, en fait, les autres étaient des ennemis potentiels. Et ensuite, quand je suis devenu adolescent, bah, je croyais en l'amour, mais je n'osais pas trop le dire bah, par timidité, par peur d'être rejeté, par peur d'être moqué. Et puis ça ne collait pas avec l'image de gros dur que je me donnais. Et puis avec l'adolescence, bah, niveau études, je n'ai jamais vraiment révisé en fait. Je me suis toujours reposé sur mes acquis et avoir la moyenne, ça me suffisait. Puis bah, en grandissant, j'ai connu l'amour. Hein. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine émotionnelle et j'ai assez mal géré tout ça. J'ai commencé à me construire une forteresse avec pour seul et unique principe, si tu ne peux pas m'atteindre, tu ne pourras pas me faire de mal. Du coup, j'ai commencé à côtoyer le monde de la nuit, j'allais en soirée, en boîte de nuit, dans les bars, j'ai consommé de l'alcool pour apparemment m'amuser. Hein. Voilà. Et au final, les choses ont fait que je me suis enfermé toujours plus du coup, dans ma forteresse. Je suis sorti ensuite avec d'autres filles qui elles m'aimaient, mais moi je partageais pas le même amour qu'elles pouvaient avoir pour moi, parce que justement je pensais encore à l'amour que j'ai pu ressentir, que je pouvais ressentir pour mon ex, et du coup bah, je leur ai causé de la peine à mon tour. Et puis j'avais décidé au final de fermer toutes ces portes là, sauf qu'un jour bah, y a une fille qui a rallumé malgré elle cette flamme là. Et je cherchais toujours plus à fuir ma réalité. Et je suis devenu méchant, voire même un peu fou. On s'est fait la guerre, on se tenait des batailles verbales parfois très violentes. C'est à celui qui blessait le plus l'autre, et j'étais très fort à ce jeu-là. Mais Dieu avait un plan, et c'est à peu près à ce moment-là qu'il a commencé à tout mettre en place pour que je vienne à sa rencontre. Alors, mince, je reviens là. Grâce à l'Église, j'ai appris à connaître Dieu petit à petit, et il s'est révélé à moi. Depuis, je continue de grandir parmi vous et avec Dieu. C'est pourquoi je me présente au Seigneur, pour lui montrer que je lui fais confiance et que je veux continuer à le connaître. Au début, quand je rencontrais Tim, il me disait « Dieu nous aime, il t'aime à la folie ». Mais moi, à ce moment-là, dans ma tête, la seule chose que je me disais, c'est « C'est gentil, mais tu ne me connais pas, et je ne suis pas une bonne personne, donc je ne pense pas que Dieu m'aime, en fait ». En réalité, je ne connaissais pas Dieu, et petit à petit, Jésus s'est révélé à moi. Il s'est montré comme le Sauveur, celui qui allait m'aider à regarder le monde d'un œil nouveau. Grâce à la révélation de Jésus, je sais maintenant qu'il est plus agréable de faire le bien et que le mal n'est bon qu'à détruire. Jésus nous enseigne qu'il faut nous aimer les uns les autres, car nous sommes tous enfants de Dieu. Il nous apprend à former une famille, la famille de Dieu. Il donne un sens à nos vies, il nous aide dans les moments difficiles. Quand on a besoin de lui, il est là, il nous répond. Il cherche à avoir une relation avec nous. Jésus est notre frère, mais il est aussi notre Dieu, car il marche dans les pas de son Père, et il nous aime comme son Père. Pour conclure, je vais vous parler d'une image qui me revient assez souvent quand j'imagine comment Dieu nous travaille. En fait, nos esprits sont des jardins. Le mien produisait beaucoup, mais il produisait aussi beaucoup de mauvaises herbes. Et le Seigneur a enlevé ces mauvaises herbes, et il travaille à planter des bonnes graines pour qu'elles germent dans mon esprit et qu'il ne porte plus de mal en lui.